Voilà, donc là avec un flux rasant, c'est-à-dire que le flux rase la forme avec très peu d'énergie, on n'a pas de dispersion en latéral comme si on était en appui devant comme ça, et on a donc un maximum de flux qui passe de l'autre côté du profil qui est très rasant, très directif. Même chose ici, je pense. Voilà. Donc là, si je mets un angle un peu moins élevé, normalement les rondelles du bout devraient être très peu touchées. Voilà, donc on a cette rondelle-ci qui est très peu touchée, celle-là beaucoup plus, celle-là moins. Donc on a un flux très directif en flux rasant.